En tant que cinéphile, j'ai une passion pour le muet, évidemment. Quand même, les plus grands films, peut-être, ont été faits en muet. Hein. Ça nous permet d'être d'autant plus en osmose avec la nature. D'entendre le vent, d'écouter le bruit de l'herbe qui bruisse. C'est pas. Le dialogue est pas nécessaire, quoi. En fait, l'histoire est très très simple en vrai. On s'attache très vite au personnage. Et ça nous permet davantage de contempler l'image en fait. Le dialogue pourrait éventuellement nous amener sur d'autres voies, voilà, on va écouter les intonations des personnages, leur jeu, quoi que ce soit. Alors que là, quelque part, presque un des personnages principaux, c'est la nature. Et la nature, bon, pas besoin de parole. Parler les gens, c'est n'importe quoi, ça distrait. Là, il y a une... on est concentré, parce que d'abord, on essaie de comprendre ce qui n'est pas dit, puisque ce n'est pas dit, on est beaucoup plus concentré, et ça donne beaucoup plus, une plus grande force, je trouve, au film. Oui. C'est très important, c'est un des éléments, moi, qui m'a le plus plu dans ce film. C'est qu'il soit mieux. Il faut du culot, plus, aujourd'hui, du courage. La musique de Haïgui vient compléter le bruitage qui a été fait tout exprès pour la bande-son de ce film. Et je pense qu'entre les bruits et la musique, on a l'impression d'avoir un dialogue, même si c'est un dialogue sans doute avec le spectateur, plus qu'un dialogue entre les personnages.